Je vous souhaite un joli réveillon de Noël et je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et tous. Je vous embrasse tout fort. À bientôt. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 21 décembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. J'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins. En un mot, d'être moi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé excellente idée, et c'est avec l'archange Uriel. Excellente idée, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Eh bien oui, vous aviez peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour cette idée, eh bien, elle est bienvenue. Et le message de ce bel archange Uriel vous dit que votre idée est une prière exaucée. Malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort, sachez que, eh bien que notre Créateur ne vous donne rien que vous ne soyez pas en mesure de gérer. Soyez bien conscient de cela. Vous pouvez sortir de votre zone de confort car notre Créateur, il est là pour vous aider. Alors, demandez, bien sûr, et soyez ouvert à recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cette idée qui est une très bonne idée. Ça peut être une idée au point de vue professionnel, point de vue familial, point de vue pour l'achat de quelque chose, ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, etc. Ça peut être une magnifique idée au point de vue familial aussi, point de vue sentimental. Alors l'archange Uriel, il vous dit, sachez que je serai présent tout au long du chemin et que vous pourrez toujours me demander de l'aide. Je serai particulièrement heureux de vous donner des idées et une perspective créative visant ainsi à soutenir votre objectif de vie. Donc vous pouvez y aller franchement. Et évidemment, pour certains d'entre vous, vous allez un peu sortir de votre zone de confort, mais voilà, l'archange Uriel vous dit que tout va bien. Soyez zen, vraiment. Alors, travaillez avec l'archange Uriel. L'énergie de cet archange, de ce bel archange Uriel, eh bien, est jaune pâle, comme la lueur d'une chandelle. Et chaque fois, eh bien, que vous aurez besoin d'idées, ou de conseils intellectuels, communiquez eh bien avec ce bel archange Uriel.
Vous savez, son énergie est alignée sur le cristal d'ambre. Vous savez, cette pierre, le cristal d'ambre. Donc, allez-y. Vraiment, demandez et procurez-vous un cristal d'ambre. Demandez à ce bel archange Uriel de vous aider dans cette magnifique idée et dans toutes celles que vous aurez pour concrétiser, eh bien, vos projets. Très beau message, n'est-ce pas, de ce bel archange Uriel. Et je termine avec mes petites prières. Et aujourd'hui, eh bien, angoisse. Pourquoi certains d'entre vous, vous êtes angoissés? Alors, donnez un seul adjectif pour qualifier votre vie présentement. Quel est le mot qui serait adéquat à votre vie actuellement? Alors, dites le premier mot qui vous vient à l'esprit pour illustrer votre angoisse, parce que votre angoisse vient de là. De quoi avez-vous le plus peur? Que vous est-il arrivé juste avant votre première crise d'angoisse? Posez-vous ces questions. Est-ce que vous pouvez accepter de ne pas être parfait? Est-ce que vous pouvez décider de lâcher prise maintenant? Parce que votre angoisse, elle vient peut-être de là. Parce que vous rendez compte que vous ne savez pas tout contrôler. Et l'angoisse vient de là. Alors, prière. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, n'est-ce pas, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Vous répéterez trois fois ceci. Je suis le courage, je mérite le courage. Je suis le courage, je mérite le courage. Je suis le courage, je mérite le courage. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous avec amour, avec beaucoup de douceur. Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, dans la joie, l'amour, le rire. Et on se retrouve demain. Et moi, je vous embrasse tout fort. À demain. Thank you.